celui dans cette noyau de l'équipe. On se retrouve aujourd'hui, j'en pose deux spéciales, puisque on va pas réagir au Brawl Talk. Mais par contre, on va vous expliquer un peu toutes les nouveautés qui se sont passées dans le Brawl Talk. On a la chance de déjà pouvoir avoir la version du jeu qui sortira le 12 décembre. Et du coup, on a vu tous les nouveaux persos. Bah, le Brawl Pass sort pas le 12 décembre. Le Brawl Pass sort début janvier, mais par contre... Non, j'ai dit la version du jeu qui sort le 12 décembre. Voilà, la mise à jour, la grosse mise à jour qui arrive très bientôt. Voilà, ouvrez tous vos boîtes. Et du coup, on peut déjà jouer avec les nouveaux persos. Voilà, exactement. Donc il y aura des vidéos dessus, donc faut rester au courant, faut s'abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment, merci à ceux qui mettent un pouce bleu et faut pas hésiter à aller voir sur Twitter. On va faire un gros topo, il y a des petits concours, vous allez voir d'un skin qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Exactement. On va tester un peu tous les skins sauf des nouveaux brawlers. Oui. La route star ou nouvelle route star, nouvelle route des trophées, nouveau pass de combat, et nouvelle façon de débloquer les brawlers. Nouvelle façon de passer. Vous allez voir, c'est très joli. On va voir que c'est très joli. Il y a des belles animations et tout, c'est très stylé. Il y a plein de trucs. C'est parti. Let's go. Donc la roue des trophées, maintenant vous avez plus de boîtes, vous avez des petits jetons bleus. Vous avez des jetons qui vous permettront de débloquer tous les brawlers non chromatiques. Là je suis arrivé à un choix, à un moment je devais choisir un brawler mythique. Voilà. Et du coup j'ai dit lequel je prends, tu peux les essayer, choisir un petit peu. Donc là ça concernera vraiment les nouveaux joueurs. Donc Jean, et du coup ça a débloqué Bo. Voilà. Après vous pouvez choisir entre trois. En fait je vais finir de débloquer Bo et du coup je commence à débloquer Jean. Voilà, et du coup voilà, en fait en débloquant la roue des trophées, là je vous montre un exemple, eh bien en fait ça me permet d'avoir les points pour pouvoir débloquer Jean va se débloquer. T'as fini de débloquer Jean. Il arrive avec les petites animations, les petites étoiles qu'ils ont rajoutées. Et donc là, soit je peux changer encore une fois. Hein. Vous pouvez changer. Hein. Je peux dire, regardez, est-ce que non, finalement est-ce que Jean est si bien ça que ne ça. Te bloque pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est bien. Et du coup, hop, maintenant il me dit débloquer un nouveau brawler. Bah, tu choisis. Entre Jessie, Jackie et Arcade, sachant que vous pourrez changer. Ça, c'est pas mal fait quand même. Hein. Ça, c'est bien plutôt fait, efficace, ouais. Visuellement, c'est très joli. Après, ça concerne vraiment les nouveaux joueurs. Oui. Et donc voilà, Arcade, bah là, débloqué. Hop, animation Arcade qui arrive. Tu peux toujours changer au cas où tu veux pas arcade. Et après, et donc, du coup, ça me propose un brawler épique. Après arcade. Je trouve ça bien fait. Oui, c'est bien fait. Donc, on peut pas choisir tous les brawlers épiques. Hein. Ça va être un choix parmi trois. Voilà. Il y en a qui sont prédéfinis, il y en a qui sont un peu aléatoires. C'est ça, exactement. Enfin, de ce qu'on a pu voir, il y en a des points d'interrogation. Ouais. Donc là, je choisis la BA. Ah, t'as changé. Super fort. Et donc là, route, la Star Road. Il est moins cher, je crois, ceux-là. C'est le premier légendaire que tu as débloqué à moins 50. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai débloqué sur le compte avant. Oui, voilà, on a débloqué les petites choses. Pour montrer les skins. Voilà, c'est ça. Donc là, tu choisis, en fait, le premier brawler qu'on va pouvoir choisir, ça va être entre Léon, Spike ou Korbach. Korbach. Donc le petit Spike, voilà, petit Léon, etc. C'est très sympa, hein, ça fait partie des meilleurs et brawlers. Et donc là, tous les brawlers, donc épique, super armitique, épique. Légendaire. Et puis là, Edgar, on sait qu'il y a Edgar, mais il y en a 4 autres. 3 autres, on sait pas c'est qui. Voilà, Edgar, voilà. Ouais, et puis là, on voit que c'est un légendaire aléatoire parmi 3. Donc en fait, je sais pas si ce sera fixe ou pas, mais en tout cas. Avoir nous notre compte voilà, qui Colt qui arrive 10 ans plus tard. Oui, parce que Colt est beaucoup trop fort et je pense que. Avec ça, ils vont pouvoir forcer les gens à jouer certains brawlers. C'est vrai. C'est-à-dire que là, Rosa qui arrive très tard, et voilà la gloire. Et quand t'as tout fini, et bah la gloire arrive. La gloire. Mais avant ça, mais oui. Le pass version chromatique. Oui, donc Mandy, qui sera palier 30 de cette saison. Voilà. On va voir le pass après. Exactement. Donc là, Gaëlle, et faut 500 jetons chromatiques que vous pouvez débloquer gratuitement dans le pass de combat. Sauf pour les plus récents, c'est plus. Voilà, par exemple, Buster qui est de la saison précédente, c'est plus. Donc là, vous allez voir, en fait, dans le pass brawl, en fait, on débloque gratuitement dans la roue gratuite. C'est ça, c'est ça. La route gratuite débloque des points chromatiques. Et donc ça c'est pareil, quand vous avez fini aussi les chromatiques, vous avez de la gloire en version chromatique. C'est visuel, ça joli. Fera des petits trucs. Voilà. Exactement. Et donc là, le Brawl Pass que vous aurez saison 7, le monde des bonbons, donc Candyland, avec du coup toujours les jetons que vous pouvez débloquer pour les brawlers. Donc là, tu débloques BA par exemple. Donc t'en as dans la roue des trophées, mais t'en as aussi ici de manière gratuite et vous de manière payante. Vous en aurez dans le magasin, vous aurez toujours les récompenses gratuites dans on le magasin. On voit les chromatiques en bas, je crois qu'on revient après dessus pour les animations. Oui, c'est ça, parce que du coup, on en parlera en détail, mais voilà, il y a des tags, donc il n'y a plus du tout de boîte, c'est fini tout. Non, hein, plus de boîte. Et même quand vous avez terminé le pass. Qu'on parlera d'elle plus tard. C'est ça, ainsi que son skin. Voilà, on aura l'occasion de vous parler du brawler. Et puis à la fin, vous avez plus les boîtes tous les 500 jetons. Et tous les 500 jetons, vous aurez justement ces points-là pour débloquer avec, des jetons 145 pièces, 40 points stars. Alors ce qui est très très bien, c'est que les points stars, ils sont maintenant généraux. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour c'est plus sur un seul brawler. Donc voilà, les crédits chromatiques, ça c'est ultra bien. Et là, ils sont tous gratuits dans le Brawl Pass. Du coup, tu as des crédits chromatiques, tu peux débloquer des brawlers chromatiques, regarde. Du coup, tu as des animations, c'est sympa. Pareil, ce que ça donne avec nous qui avons le compte max. Ouais. Franchement, c'est on verra. Hâte de voir ça, hâte de voir si ça change le jeu. Moi, je suis un fou. Ouais, j'avoue. C'était pour voir un peu les animations avec le crédit chromatique, parce que c'est mignon.
Donc il en faut 500 pour un brawler. Hein. C'est ça. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a dit. Hein. Oui, voilà. Il y a une infinité de choses. Nous, mais je pense qu'on on a fait le tour de tout ça. On va aller tester les skins. Parce qu'ils sont incroyables. Il y en a. High level. Vous allez voir ça. Incroyable. Et du coup, on va tester tous les nouveaux skins de la prochaine mise à jour, mis à part les trois nouveaux brawlers qu'on testera plus tard. Exactement. Donc, on va commencer par Nita Pied Sucré, parce que Nita, c'est le brawler... ultra stylé. C'est le skin disponible si vous achetez le Brawl Pass, donc le prochain Brawl Pass qui sera disponible au pays des sucreries, Candyland. Et donc, Nita Pied Sucré. Ouais, je joue avec des bottes. Hein, ouais, voilà, c'est ça, exactement. On est tranquille. Oh, il est très stylé. Donc là, c'est un petit nounours, un gummy beer. Ouais, c'est ça, un petit bonbon nounours. Il est très joli, ses attaques. Ouais, ça fait un petit attaque normal. Mais ce qui est cool, c'est le nounours. Voilà. Donc là, il y a plein de skins à vous montrer. Ah bah là, il y en a une tonne. Regardez le nounours, comment il est incroyable. Oh, il est génial. Là, ça, c'est le skin préféré. Ah, ouais. Bah, c'est ma saison. Ah, c'est la saison, c'est la saison des bonbons. C'est la saison des bonbons. Yes. Il est pas mal. Ouais, il est plutôt efficace. Donc, lui dispo dans le pass de combat en premier skin. Voilà. Donc, les petits trucs. Hop. Et puis, le nounours, bien évidemment, qui est très, très efficace visuellement, puisqu'il est transparent. Il est très sympa. Bon, bah, celui-là, il va falloir un peu tryhard pour l'avoir. Hein, c'est le skin de la Poupstar. Assez incroyable aussi celui-ci. Il a l'air vraiment stylé. Ouais, très très cool. Et bien, on va l'essayer. En magie d'entraînement. C'est quand même plus sympa. En braquage. Braquage. C'est pas mal. Ouais, pour H, c'est plutôt Ouais, c'est pas mal. Allez, alors, comment il est, ce petit H? Peanut H. Peanut H. Il a l'air très sympa. Oh, il en... Ah ouais, il fait tourner. Oh. Ah oui, il fait tourner le truc avec lequel tu tapes. Taïo. Ah oui, il a un petit... il est trop choupi. Surtout qu'on a plein de points stars, donc on va pouvoir se faire plaisir. On va se faire plaisir. Oui, c'est vrai que celui-ci, il est pas mal. Il est assez efficace. Bien, et du coup, son ulti, c'est quoi qu'il envoie? Des petites pinatas. Oh, c'est des petits bonbons! C'est ma saison! Pays des bonbons, avec Buzzette, qui est trop bien. Ouais, très très stylé. Ouais, du coup, 149 gemmes, ça fait partie des skins du coup de la saison, parce que c'est un skin bonbon. Ça va plus vite. D'ailleurs, le fond d'écran est magnifique aussi. Oui, c'est très joli. Ouais. On valide. Alors, donc, vas-y. Un petit yo-yo. Oh, c'est trop bien. On dirait la lampe bonbon. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup... Oh, ouais, bah, yo-yo. Oh, trop bien. Trop stylé. Ah, il y a des particules. Ah, sympa, ouais, j'aime bien. Les petits... Et 149 gemmes, du coup. Les petits bonbons qui tombent. Ouais, il va falloir économiser un petit peu. C'est pas des bonbons, mais c'est des gâteaux. Et puis après, Daryl Omega Boîte. Bah, qu'on va aller chercher. Juste après, qu'on va aller chercher sur le compte de Kings, moi j'ai déjà récupéré. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pareil, c'est un skin de la saison. Du coup, c'est un skin de la saison Cupcake. Enfin, voilà, il va arriver. De la saison des Candyland. Moi, je suis parti dans le mauvais mode de jeu. Bon, après, c'est pas grave. Razia Gem. Ouais. Allons voir le petit skin à quoi il ressemble. Daryl, il commence pas à en avoir beaucoup des skins là. Daryl en a un paquet. Je pense qu'il est fait pour. Ah, il balance de la crème. De la crème chantilly à moitié. C'est trop bien. Ah ouais, trop bien. Ah, il est... Pareil, 149ème. Il est trop bien. Ah ouais, trop stylé. Mais on dirait même pas Daryl. Hein. Bah pour le coup là. Franchement, tu sais même pas que c'est lui. Ouais. Ouais, tu le reconnais pas. Non. Regardez son ulti. Attention. Voilà, on va pas faire ça aussi. Bah, je sais pas s'il va avoir grand chose. Ça fait un gros cupcake. Ah, c'est trop bien. Ambre Reine des Glaces. Magnifique. Donc ça, c'est un skin des... Délivré, quoi. Oui, c'est un peu ça. La Reine des Neiges, ouais. Oui, la Reine des Glaces, la Reine des Neiges, ouais, c'est ça. C'est un skin à 149ème et skin c'est... Skin des fêtes Brawl Obscur. Voilà, exactement. On va l'essayer. Oh. Mais c'est trop stylé. C'est quoi la zone qui est envoyée? Oh, elle est trop belle. Est-ce que c'est pas le meilleur skin? Oh la vache. Oh, elle est trop belle. Est-ce que le skin, pour l'instant, c'est pas un des meilleurs skins? Oh, elle est trop belle. Non, mais il y a plus de tout, moi. Ah, du coup, moi, j'ai pris Buzzette. Oh. T'as pas vu? Ah ouais, si, bah si, ça les transforme en glace. Regarde, du coup, ça les gèle au lieu de les brûler, regarde. Et il y a des petits flocons autour. Oh, c'est énorme. Des petits flocons. Aïe, ils abusent. Très stylé ce petit skin aussi. Hein. Samietti qui fait partie de la même collection de Brawl Obscur. Et d'ailleurs, lui, il a deux skins. Oui, lui, il a de la chance. Vous allez voir, il y a un autre skin aussi du petit Sam. Et on va les tester. Il est très stylé aussi. Est-ce qu'il va être dans le même...
état d'esprit de libérer la délivrée. Oui, c'est ça. Oh, non, en tout cas, Ambre, elle est incroyable. Ambre, pour l'instant... Elle fait partie de mon top 3. Ah ouais, top seed. Alors... Ouais. Bah, j'aime moins le Brawler Sam, donc... Ok. Il est pas mal, donc il sera 149ème mieux aussi. Il est pas mal, bah pour le coup, ils ont fait le taf sur Ambre de ouf. Hein. Ah ouais, ouais, j'ai vu. Les effets, et parce que du coup, t'as des effets sur les ennemis. Bah, déjà, c'est un bon brawler. Ennemis, oui, c'est un ouais, bon brawler, ça. C'est un brawler légendaire, vraiment. Ouais. C'est, trop bien. C'est très stylé, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, celui-là est peut-être un ouais, peu plus. Un petit peu... Au niveau des animations, peut-être ouais. Un peu plus basique. Hein. Ouais, puis c'est, j'aime pas trop le brawler, donc oui, voilà. Et ben, je crois en plus. Non, qui a gagné sur notre compte Twitter. Oui, donc, voilà. Allez voir. Exactement. Je sais pas si je vais lancer le concours tout de suite. De toute manière, ça, le résultat, ça sera ça le 13, je crois. Oui, donc, c'est ça. Voilà, il y a encore le temps. Ça va arriver vite, n'empêche. Ouais, la semaine prochaine, mais. Oui. Vous non, mais aurez, ce week-end. D'ici ce week-end, vous aurez le concours qui arrivera. Donc, allez vous abonner à notre Twitter. Donc, H Krampus qui a 79 j'aime, qui est pas mal aussi. Mais du coup, lui aussi, il a deux skins. Ouais. Ouais, lui aussi il a deux skins. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, un petit cadeau de Noël. Il a de la chance. Donc, pareil, fête Brawl Obscur. Ah, il est pas ah, mal. Ah, ouais, pas mal aussi. Ah, oui, avec il y aurait des sortes de griffes, démon, ouais. Ah, il est pas mal. Et qu'est-ce qu'il fait comme ulti? Qu'est-ce qu'il envoie? Des petits cadeaux, hein, normalement. Un gros cadeau. Oh, des petits cadeaux. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. Ouais. Ah, il est pas mal. Il est mignon. Ah, il est pas mal, j'aime bien. Et là, on a les skins lunaires. Donc, coup, on passe en 2023. 2023. Voilà. On est dans le futur. Voilà, exactement. Avec Eve Biker avec le petit lapin vert brillant. Elle est incroyable. Et il va coûter 149 gemmes aussi. Voilà, tout est à 149 gemmes. Il n'y aura pas de jaloux. Ouais. tous les skins sont au même prix. Donc, après, à voir, parce qu'il y en a quand même qui sont, pour l'instant, de ce qu'on avait, plus stylés que d'autres. Oui, moi j'aime bien Eve Biker pour le coup. Oh, ouais. La Biker est pas mal, ouais. Elle est, ouais, ouais, le skin est pas mal. Elle est mal, trop forte. Du coup, elle est incroyable. Oh. Une sorte de casque de moto. Non, le truc qui génère... Ah, qui génère des cases de moto. Oh. Et les cases de moto, il y a des mini-cases de moto, non, non c'est... Ouais, je sais pas trop, ouais. Bah, c'est joli. C'est, ouais, ça c'est fait pas mal. Futuriste, c'est pas mal. Ouais. Visuellement, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien Eve, aussi, ouais. Et bah, c'est The Brawler. Franchement, c'est The Brawler. Je sais pas du tout à quel niveau de jeu tu dois le débloquer si tu commences à jouer, mais... J'ai aucune idée. Ouais, il y a des petits effets elle sympathiques, il y a des effets sympathiques. Mais non, mais faut nous dire dans les commentaires lequel vous préférez. Regardez, les petits effets là avec les petits rayons en dessous. Ouais, tu vas voir, elle va balancer des cases de moto. Ça éclate et puis ça fait encore des rayons en dessous. Hop. Et après, dans les cases de moto, il y a des, au dire, des mini cases de moto. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Riff Record. Il est pas mal, hein. Qui joue... Du coup, c'est une sorte de console arcade. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Arcade qui aurait dû avoir ce jeu. C'est le copain d'arcade. Ouais, et du coup, pareil, pour le Brawl Star Lunaire. Brawl Lunaire. Ouais, c'est stylé avec des petits lapins qui se font attaquer. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Oh, mais du coup, pourquoi c'est pas Arcade qui a vu ça? Bah, parce que Arcade, est plus... Arcade il est a plus... déjà Arcade 8. Déjà, Arcade, il est passé en super rare. Oui, c'est vrai. Arcade, il a été rétrogradé. Oh. Ouais. Ah, c'est des lapins. C'est lapin. Ah, c'est, la... c'est une c'est sorte lapin de Space Invader. Ah, c'est trop bien. Et, il en ah, et t'as vu, c'est marrant, c'est varié. Et en fait, des fois, il y a que oui, des verts. Oui. Et des fois, il y a des bleus, des verts. Et attention. Oh, ah, il envoie des cartouches de cartouches jeu, lapin. De jeu, ouais. Non, non, attends, il envoie des cartouches de jeu, et quand ça arrive au bout, ça fait des lapins, regarde. Au bout du bout, tu vas voir, ça fait des lapins. Vas-y, je regarde. Hop. Ah ouais. On aura oh, lapin. Et bah lui, il va coûter 79 gemmes. Et bah, et je bah que franchement, pour 79 gemmes, lui, il est bah, travaillé. Il fait grave le taf. Ah ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Pas mal, pas mal. Et là, on passe sur... Du cadeau de Noël. Voilà, un skin gratuit. Skin gratuit qu'on va tous avoir le 25 décembre. Shelly classique. Exactement. Donc ça, c'est le skin joyeux Noël qu'on va tous avoir. Ouais, il est pas bah, mal. Bah, c'est hein. Classique. C'est bah, Shelly classique. Oui, bah oui. Il c'est est sympathique. Classique. C'est Shelly, hein. C'est, bah, c'est Shelly. C'est le brawler de base. Et puis, bah, là, pour le coup, peut-être oui. À, peut-être à destination d'ici des joueurs qui pourraient arriver sur le jeu. Oui. Comme ça, ils arrivent sur le jeu, il y a Shelly et ils ont un petit skin. C'est ça. Pour les périodes de fête. Bon, c'est ouais, Shelly, bah, hein. Shelly classique. Alors, Gus, champion du monde, et forcément. Bah, pour fêter les championnats voilà. Du monde qui avec se sont passés. Le petit Z des États, forcément, ouais, qui ont gagné. C'est ça, exactement. Qui ont gagné, qui ont été en finale l'année dernière aussi, je crois. C'est possible. Ils avaient gagné, possible. Mais ouais, ils sont forts, je pense. Oui, je pense, très, ouais, très je pense. Et du coup, il est vraiment super stylé. Il est très, très cool. Bah, et du coup, façon, le skin il sera 149ème également. Quand je le mets, il y a une petite animation, il est sur son portable, il fait « Ouais !» Gagné, et du coup, c'est le champion du monde. Ouais, on le voit jouer à Brawl Stars, en fait. Il joue dans le mauvais sens. Ouais, il est très cool. Ouais, il est plutôt petit pas côté mal. Côté néon, ouais, futuriste ouais, ouais, avec hologramme, c'est très cool. Et vas-y, essaye-le. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Ah oui, ah oui, ah, du coup, c'est coupes. Son ballon en fait. Ah ouais, c'est son ballon la coupe. Ah, c'est trop bien. Et du coup, ça il balance et c'est plus un petit fantôme, du coup, ça va être quoi?
a une couronne. Il est trop chou. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Il est vraiment cool, celui-là. Ah, ouais, et il sort à combien, celui-là? 149e. Et petit skin de la Saint-Valentin. De la Saint-Brolentin. Bah, il est mignon. Qui sortira à 29e. Ah oui, lui, il est... Ça va, lui. Il est pas très cher. Il est pas très cher, ouais. Zone d'entraînement. Il est marrant. Après, bah... je suis pas fan de Sam, ouais. Donc... Je sais pas trop. Ouais, ils ont taffé sur Sam, ok. Ouais. Sur les skins de Sam. Bah, il est très basique, hein. Ouais, pour le coup, ouais. Ça va juste être un... Voilà, l'attaque reste classique, c'est juste le visuel du skin. Bah, faut nous dire quel skin vous préférez, celui qui vous tente le plus parmi tous ceux qu'on vous a montrés. De toute façon, on se retrouvera très bientôt pour la mise à jour de Brawl Stars, ouais. Parce que ça va être la semaine prochaine. Et ça va faire bizarre. Oui, parce ça, que ça va être chelou. Il y aura plus de boîtes. Enfin, très chelou. Hein. On va voir tout ça au moment de cette mise à jour. On va aller récupérer notre petit Omega Daryl. D'ailleurs, yes. Allez le récupérer aussi parce qu'il reste que 5 jours, gratuit. Je crois. C'est gratuit. On a réussi à faire 4 milliards de kills. Donc c'est bon. On a tout réussi à l'avoir en moins de 12 jours. Hein. Ouais, bravo. Très fort, très très fort. Et donc, magasin. Voilà. Oh là, j'ai pas assez t'as de gemmes. Non, j'ai pas assez de gemmes. C'est fini. Daryl Omega. Ouais! Moi j'ai déjà récupéré. Et c'est parti. Ouais, et il est sympa quand même parce qu'il est un petit peu, oui, tu vois, par rapport bien, à, ouais. À Daryl méga boîte. On va aller voir. On va voir ton Daryl. Daryl. Where is Daryl? Il est bleu, Daryl. Il est là. Voilà. On a vu la différence. Il y a un petit effet en fait au début qui est rajouté qui est pas mal du tout. Bon, après, ouais, ça prend vraiment le même c'est skin. Stylé. Mais. C'est pas mal. Voilà, c'est le petit clin Omega. D'œil pour dire c'est fini. C'est ça, voilà. Exactement. Ah bah je l'ai pas choisi. Le et pauvre. Non, ne pleurez pas. C'est ah la, bah c'est de toute façon, boîtes, vous savez ce qu'on va aller faire aujourd'hui? Après. Le 12, s'il n'y a plus de boîtes, et sauf que moi j'ai 1 million de boîtes voilà. À ouvrir, donc on va aller faire ça rapidos. Regardez, j'ai même pas récupéré de mes boîtes et... oh là. 13, ouais, non mais j'ai tellement de saisons, bon, je vais faire ça vite fait, je vais peut-être pas tout ouvrir. Mais voilà, ça sert à rien parce qu'elles vont être toutes ouvertes. Bah, tout va être ouvert d'un coup, ouais. Voilà, c'est la fin des boîtes. C'est la fin des boîtes. C'est après, la fin, en soi, la mise à jour, ils ont l'air d'avoir bien taffé quand même. Ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être propre. Voilà, sans parler des skins, hein, mais... Oui. Parce que voilà, ça reste des skins, mais... Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Ouais, il y a une réorganisation de tout le truc. Je pense que c'est assez intelligent, enfin, pour ceux qui vont commencer à jouer. Après, sur le long terme, ça va être très long d'avoir tous les brawlers si tu joues. Je pense. De manière gratuite, quand même. Oui, hein, oui. Il va falloir attendre. C'est assez ça. Longtemps. Bah, après, ce serait pas intéressant, justement, de recommencer un compte. Ouais. En full gratuit et voir ce qu'on débloque avec tout ça. Oui. Comment ça se passe, comment on commence un compte Brawl Stars après cette méga mise à jour en fait. C'est vrai. Oui, parce que nous on va avoir de la gloire, après nous on va avoir la fame. Nous on va avoir la fame, on va être famous. Donc ça c'est aussi intéressant parce qu'au moins il y a un peu de late game. Ouais. Après en soi c'est juste cosmétique, hein. Ils l'ont dit. Ah, t'avais dit. Après du coup, nouveaux brawlers qui vont sortir pour le nouveau pass et pour la nouvelle mise à jour. Oui. À voir si ils sont intéressants à jouer. Tu as testé Daryl quand même. T'as même pas testé. C'est bon. Ah bah là c'est bon. J'avais tout récupéré. Voilà. Donc ça c'est bon. Vas-y, on va faire du Brawl Ball. C'est une cata. Ah bah vas-y, t'en fais une, j'en fais une si tu veux. Ok. T'es, ou si je perds, t'es au niveau si, ou pas non, je crois pas. Non, moi je suis assez bas niveau. Moi c'est assez facile. Mon il coup. Est stylé, effectivement, il est très stylé. Ouais. Il est pas mal, hein. Ouais, il est pas mal. Bah déjà, s'il y en a un qui joue pas avec moi, ça va être un petit peu compliqué. Il y a quand le signalement. Bah sur les parties classiques. Bah surtout que c'est bon, c'est un boss. Oui, mais au moins il y a quelqu'un. Oui, c'est sûr. Oh là là, ils vont être relous les petites filles. Oh les petits, ils sont relous. En même temps, t'as des joueurs qui jouent pas avec toi et bah, en plus t'as des gens qui jouent leur vie en mode ça, c'est un championnat du monde. Quoi. Ouais, exactement. Ah, il a fait un kill, ouais, le petit bâtard. Il a fait un kill. Il va pas sur tard. Hein. Bah j'irai quand elle me lancera son truc. Va sur tard. Hop, j'ai balancé. On a tenté un truc. Oh là Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, en fait, si ça va. Non, ça va, c'est pas un mob. C'est juste une connexion pourrie. Tu penses que c'est ça? Mince. Ouf, je récupère ma vie. Merci. Récupère ta vie. T'inquiète. Tu devrais y aller. Rebondis sur le côté. GG. Allez, vas-y. Ouais, allez, vas-y. Cours. Allez, à droite. Va tout droit. Go. Wouh. C'était le moment. C'est le moment qu'il fallait pas louper, là. Voilà. Tu as réussi. Est-ce que ça suffira?
tu vas aller prendre la boîte et l'envoyer en haut à droite. La boîte ou le... Le ballon. Ah mais il l'a bah, fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Tu devrais faire gaffe parce qu'il va te tirer dessus, le mineur. Tu auras ulti. Mais... Ulti, ulti. Ouf. Ok, reste pas là, reste pas là, va-t'en. Non, reste pas. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Oula. Oh, ah, mince. Ouais, mais le temps... Ah, bien, bien, bien. GG, costaud. Il n'y a plus que lui. Je pense qu'on va y arriver. Pas ah, mince. Oh. Bravo. Attends, mais c'est le... Ah non, incroyable. C'est... Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. GG. Bon, ouais, c'est pas... Gigi. J'ai mon ennemi. T'as ton ennemi? Ah bah oui. Hein. Attends, j'ai pas vu. Il y a aussi en face? Ouais. Ah voilà, GG. J'ai eu, GG. Attends, ah, compliqué, compliqué, qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, dommage. Ah, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Dommage, dommage. Ton équipe, elle a pas suivi, là. Non. Après, Amblola, c'est pas mal, hein, c'est... C'est puissant. C'est puissant, ouais. Avec le super skin de Orm qu'on vient de voir. Oh là 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 là, il est incroyable. Ouf. Oh, ça fait mal. Ouais, ça va être compliqué. Le retour fait mal. Pas mal. GG. Ok. Ça ok. Ok, je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Non. Ah yes, c'est bon. Ouf. J'ai failli dead. Pas mal. Bon. C'est pas grave. Le problème, c'est que tu pars tout seul et ton équipe, elle, comme elle, ils sont tous dead. Ouais, mais je voulais tenter de faire un double kill, mais j'ai pas réussi. Oh là 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 là. Allez, Gigi. Pas gentil. Pas mal. Joli, joli. Oublie pas que t'as ton gadget, hein. T'as pas utilisé, je crois. Sauf, ouais. Sauf ton coéquipier. Pas mal. Allez. Ouf. Allez Ambre, allez Ambre, allez Ambre. Oh GG. Oh genre c'est passé. Si si ouais ouais ouais. Pile poil. Ok Ambre. Ok bah GG. Bravo. C'est trop chiant Elisa n'empêche. Elisa ouais. Elisa qui du coup qui est passée en... Je sais plus quelle rareté. En épique je crois. En épique, en épique. En épique. On l'a vu, ouais. Fais gaffe, hein. Faut pas relâcher la pression. Pas mal. Allez, faut tenir 11 secondes. Mais il joue plus Darim ou quoi? Ouais, il sait que c'est... Ah oui, ouais. Du coup, il a abandonné. No. Ah, bouh. Regarde, il y a what. Bon, en tout cas, faut nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des skins, s'il y en a que vous préférez par rapport à d'autres, ce que vous pensez un peu de la mise à jour Brawl Stars, du coup on découvrira ça, déjà il y a un petit aperçu la semaine prochaine, et puis après bah, le nouveau pass. On ira peut-être tester les nouveaux brawlers aussi, on verra on a peut-être attendre d'en tester plusieurs en même temps. Donc on faut verra rester, bien, au, faut courant rester au courant sur la chaîne, ouais, faut s'abonner. Twitter aussi pour les concours, exactement. Parce que de toute manière, quand il y a un concours Brawl Stars, c'est sur Twitter. Exactement, voilà. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gaming Kim. Allez, salut.